Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour une journée productive. Je vous explique, parce que ça va pas vraiment être une journée complète productive. En fait, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je sois productive ce matin, en tout cas, puisque tout le week-end, je suis au basket. Parce que cet après-midi, je vais voir jouer deux équipes de mon club, qui sont des potes à nous, donc les U15 et les U13. Sachant que ce midi, je vais manger chez une pote, parce qu'on veut faire un tambour, essayer de le custom et tout. Et le premier match est à 13h30 cet après-midi et ensuite le deuxième à 16h. J'ai passé mon après-midi là-bas. Et demain, j'ai match, moi, à 11h. Et je joue pas chez moi, je joue à l'extérieur. Donc on va devoir se réveiller bientôt. C'est notre dernier match, donc il faut seulement qu'on gagne. Parce que si on gagne, on va en phase finale. J'ai l'impression que je le dis à tous les vlogs, mais c'est pas grave. J'espère qu'on va gagner vraiment. Et puis l'après-midi, demain, je vais au match de mon frère. Enfin, son deuxième match. Puisqu'il fait un match ce soir et un match demain après-midi. Donc c'est vraiment week-end basket. Et donc, les trucs que j'ai à faire, je pourrais le faire vraiment que ce matin. Donc je me suis dit, pourquoi à faire un productive day, mais du coup un peu une matinée productive plutôt. Ce matin, je me suis réveillée à 7h, j'ai traîné un peu dans mon lit, j'ai commencé à regarder une vidéo sur mon tel et j'ai fait du montage. Donc je suis contente parce que j'ai quand même un peu avancé. Ensuite, je me suis levée, je suis allée petit déj à 8h et là il est déjà 9h. Donc vraiment, j'ai mis une heure pour chaque truc. Je me suis fait une to-do list qui est quand même assez longue. Donc je vous la mettrai juste ici. Vraiment, il va falloir que je me bouge. Au niveau des devoirs, il faut que je regarde. Mais je crois que vraiment, j'ai pas énormément de choses. J'ai toujours du montage à faire puisque j'aimerais sortir ma vidéo demain. Du coup, je dois réviser mon code. Ça change pas parce que je le passe pas le mercredi de cette semaine, mais le mercredi d'après. Donc dans 2 semaines en gros à peu près. Mais oui, mais je sais pourquoi j'ai pas beaucoup de devoirs cette semaine. En fait, c'est une semaine de 3 jours de cours. En gros, il me reste 16 jours de cours. Ça sent l'été. Je voudrais essayer de me lisser les cheveux. Je vais voir si j'ai le temps ou pas. Et voilà. Et sinon, je vais manger chez ma pote et je vais voir le match. Je voulais aussi un peu peaufiner mon planning YouTube. J'ai un peu peaufiné hier, mais là, je voudrais continuer à rajouter des petites idées. J'ai mis sport maison, mais je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est vraiment pas sûr que j'ai le temps de le faire. Et le dernier truc que je dois faire, c'est je dois mettre des fiches sur ma dernière vidéo parce que depuis qu'elle est sortie, je ne les ai toujours pas mises. Donc, voilà. On va essayer d'être productive ce matin. J'espère que cette vidéo va vous plaire, mais du coup j'ai peur qu'elle soit vraiment très très courte. Dites-moi dans les commentaires, vous préférez les vidéos longues ou les vidéos courtes? Pour moi, les vidéos longues, c'est dans les 25 minutes. Ça commence vraiment à devenir long pour moi. Et vidéos courtes, c'est dans les 10-15 minutes pour moi. Bref, j'arrête de trop parler parce que ça fait 9 minutes que je parle. Et je vais faire tout ce que j'ai à faire parce qu'il y a quand même pas mal de choses. De ouf en vrai, j'ai juste mis les fiches sur mon ancienne vidéo et j'ai fait une série de codes, mais c'est tout. Là, je pense que je vais essayer de lire un petit peu mon livre de codes. Ensuite, il faudrait que je m'habille et que j'aille me lisser les cheveux. Au moins, ce sera fait. Sachant que pour être vers midi chez ma pote, il faut que je parte vers 11h40 puisque à pied, je mets à peu près 20 minutes pour aller chez elle. Ensuite, mon planning YouTube, je verrai si je continue de le faire. En vrai, j'avais déjà pas mal avancé. Et par contre, j'ai des exos de français à faire pour lundi. Et ça, faut absolument que je fasse. Donc, il faudrait que je fasse ce matin. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Le montage, si j'ai le temps de continuer, je continuerai. Mais j'ai quand même déjà pas mal bien avancé ce matin. Il est 10h10, donc on est plutôt bien niveau timing.
I'm sincere in. I know I'm hard of hearing and never helps whenever. En vrai de vrai, ça pourrait peut-être être beau, mais il faudrait que je mette du gel et que je reste ça vers mon chignon. Parce que j'arrive pas, donc je sais pas ce que je vais faire là. Surtout que je sais pas quelle heure il est. Donc bon. Bon, au final, ça rend ça. J'ai laissé la couette comme ça parce que j'arrivais pas à bien faire mon chignon. Pour le moment, je vais pas aggraver les choses. Je vais laisser comme ça. Même si je sais que la couette comme ça, c'est pas très beau. Enfin, moi, j'aime pas trop sur moi. C'est soit je le ferai chez ma pote. Ou tout à l'heure, si j'ai la motive et tout et j'y arrive. Je le laisserai comme ça, mais bon, j'aime pas trop. Du coup, je verrai tout à l'heure. Mais j'ai une pote qui sait bien faire les chignons. Donc peut-être que je lui demanderai de me le faire. Il est déjà 11h20. Il me reste 20 minutes avant de partir. Bon, il est 11h42 à peu près. Et là, je pars chez ma pote. En vrai, ça va, ce matin, j'ai plutôt pas mal avancé. Sauf pour mes devoirs. Hier, je devais le faire peut-être aujourd'hui. Au final, ça s'est fait hier soir, alors à 23h30. J'ai commandé des nouvelles chaussures. Je suis trop contente. J'ai trop trop hâte de les recevoir. Je vous spoil pas tout de suite lesquelles j'ai prises. Essayez de deviner dans les commentaires. J'ai commandé sur Nike parce qu'il y avait une méga réduction. Je pense pas qu'elle sera encore active au moment où vous regarderez cette vidéo. Mais si jamais, au cas où, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y avait moins 25% sur tout le site. Il n'y a pas de collab ni rien. Bon, il y a du bruit, je vous laisse. Et on se retrouve je sais pas quand du coup. Il est 19h02 et je suis rentrée chez moi. Je ne vous ai rien filmé de l'après-midi. J'avais envie de profiter tout simplement, mais c'était très très cool. Comme prévu, à midi, je suis allée chez ma pote. On voulait un truc pour taper dessus, genre pour faire du bruit. Elle avait ramené un seau et en gros, on l'a custom, genre avec les couleurs de notre club et tout. On a mis de la bombe, après on a écrit des trucs en couleurs et tout. En vrai, c'était très très cool, mais le truc a très très mal fini puisqu'on a tapé comme des malades dessus. Sauf qu'il est mort. Il est même plus rond, enfin bref. Après, on a aussi mangé chez elle et ensuite, on est parti très très en retard au match. Ils ont malheureusement perdu alors qu'au début ils gagnaient. La haine vraiment. Et ensuite on est resté pour le match des U13. Il y avait énormément de monde, on a fait grave du bruit et tout. Ils ont gagné donc c'est très très cool. Et demain rendez-vous à 8h45 je crois. Ça va faire mal le réveil vraiment. J'espère qu'on gagne. En fait il faut absolument qu'on gagne, on est obligé. Et voilà. Là il faudrait que je fasse un petit peu de montage parce que du coup j'ai pas avancé dessus. Sinon au niveau de ma to-do list, j'ai grave bien avancé aujourd'hui franchement. J'ai juste pas coché mes devoirs parce que bah en fait j'ai pas le temps de le faire. Et sport à la maison parce que bah du coup j'avais pas le temps et que demain j'ai match. Donc je ferai sûrement lundi. Et montage j'ai pas encore coché mais techniquement j'en ai fait quand même pas mal dans la journée. Bon du coup il est 20h passé je crois. Et je vais aller manger et faire un petit apéro je pense avec mon papy, ma maman et mon papa. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, même si elle est bien plus courte que d'habitude. Je finis cette vidéo sous le soleil, bien 2 semaines après, parce que j'avais complètement oublié de faire l'outro. J'ai plus de voix, je m'en excuse, mais j'espère que vous comprendrez quand même ce que je dis. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye!